attesa, una gran festa a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con gran quella cerca minore, te con gran quella cerca minore, cerca minore, cerca minore. Senta pur ordinello la masia, il minuetto, il la follia, il l'alemanna pare valar, il minuetto pare valar, il la follia pare valar, il l'alemanna pare valar. E ti apprezzando dall'altro canto, con questi quella vomoreggiar, vomoreggiar, vomoreggiar. Alla melista, domma mattina, una decina devi montare. Alla melista, una decina devi montare. Si trovi in piazza qualche ragazza, dico che quella cerca di alla melista, domma mattina, una decina devi montare. Senza alcun ordine, la fantasia, il minuetto, il la follia, il l'alemanna, pareva domma mattina, una decina di aumentare, una decina di aumentare, una decina di aumentare, di aumentare, di aumentare, devi devi aumentare. Vous l'avez compris, sur cet air du Don Giovanni de Mozart qui invite à la fête et même pour tout dire à la débauche, nous allons travailler avec ce petit diaporama sur le diable amoureux de Jacques Cazotte. Et avant de nous lancer, quelques petits rappels sur l'œuvre avec cet extrait du document que vous avez déjà lu et travaillé. Il est intitulé « Comme l'objet d'étude ». Le roman et la nouvelle du XVIIIe au XXIe siècle. Je vous y donnais déjà quelques informations sur le diable amoureux, essentiellement qu'il s'agit d'un récit de fiction et qu'il est parfois considéré comme le premier ouvrage fantastique de la littérature française. La question qui sera le fil rouge de ce premier diaporama apparaissait déjà ici. Le récit de Cazotte est-il un roman ou une nouvelle? Quant au fantastique, nous y reviendrons dans un prochain diaporama. Pour répondre à votre question, roman ou nouvelle, voici deux textes qui peuvent nourrir votre réflexion. À gauche et en vert, les propos d'un éditeur qui a publié Le Diable amoureux et qui en donne un avant-goût à ses lecteurs. Il y aborde la question du genre du récit. À droite et en rose, le bref extrait d'une longue étude qu'une critique a consacrée à l'œuvre de Cazotte. Elle aussi s'attache ici, entre autres choses, au genre du récit. Vous devez lire ces deux textes et y relever, dans vos cours de français, donc crayon à la main, les mots-clés qui vous semblent apporter des informations utiles en général pour en savoir plus sur le diable amoureux, et plus précisément, les mots-clés qui peuvent vous donner des indications sur le genre, roman ou nouvelle. Évidemment, vous mettez sur pause quelques minutes, le temps de faire ce travail. Alors, vérifiez à présent vos mots-clés. On pouvait relever « récit », bien sûr, qui ne nous informe pas beaucoup. Mais oui, le diable amoureux raconte une histoire. Il se classe donc dans la catégorie du récit, sous laquelle on range tous les discours narratifs. Vous avez peut-être aussi relevé cette information sur un thème majeur de l'œuvre, les sciences occultes. Oui, dès le début de l'ouvrage, notre héros, Alvare, est initié par un certain Soberano au dialogue avec les esprits et autres créatures improbables. Ensuite, qui sont arrivés un petit peu trop vite, vous avez deux mots qui qualifient le diable amoureux. Ces deux mots vont ensemble car ils ressortissent tous les deux à la séduction. Galant comme galanterie, et badin comme badinage, qui désigne un discours léger et galant, justement, destiné à séduire. Ces mots qualifient surtout le ton du texte, assez léger, en effet. L'adjectif ironique doit attirer votre attention. Les mots défilent encore trop vite. Je reviens à l'adjectif ironique d'abord. Il désigne un registre présent dans le récit et signifie que l'auteur traite certains personnages, certaines situations
ou événement avec une distance moqueuse. Vous vous en êtes rendu compte en lisant Le Diable amoureux ? Voici à présent, en blanc, qui sont arrivés un peu vite également, je vous le disais, les termes qui désignent ce qui nous intéresse le plus pour le moment, le genre. Mais nos deux auteurs ne nous aident pas beaucoup à décider. Ils utilisent tous les deux mots et indifféremment. Bref, ils ne tranchent pas. Pire, ils ajoutent une troisième possibilité, le conte. Ce récit cadré qui commence par « Il était une fois » et s'achève par « Ils vécurent heureux ». L'histoire de fées, de gnomes, de chevaliers et de princesses de quand vous étiez petit. Enfin, pas exactement, puisqu'il est question ici de contes fantastiques. Mais je vous ai dit qu'on y reviendrait dans un prochain, très prochain, diaporama. Vous allez donc devoir répondre à la question de savoir si vous classez Le Diable amoureux parmi les romans, les contes ou les nouvelles. Ayez à l'esprit qu'il n'y a pas la bonne réponse. Je vous le fais remarquer souvent. Pourquoi n'y a-t-il pas la bonne réponse ? Parce que plusieurs réponses sont possibles. Alors, soyez attentifs et demandez-vous grâce à quoi une réponse que vous allez apporter pourra-t-elle être considérée comme valable ? Réfléchissez-y, c'est important pour que votre réponse soit argumentée et personnelle. Si je récapitule, donc pas de bonne réponse, ce qui signifie que vous devez étayer ce que vous allez avancer comme réponse sur le genre par des arguments. Ces arguments, vous allez les soutenir par des références au texte de Cazotte et évidemment aux définitions des genres, romans, nouvelles et contes. Vous voyez ici que je vous rappelle la question, dans quel genre doit-on classer, selon vous, Le Diable amoureux ? Et ce que je vous demande ensuite, c'est de répondre dans un développement organisé et rédigé dans votre cours de français. Voici les mots à retenir. Si vous allez voir dans un dictionnaire, pour être bien sûr de leur définition, vous penserez à préciser leur nature. Et quand ce sont des noms, à donner leur genre. Bon travail à tous, prenez bien soin de vous.